BMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne BMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, monsieur le président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant, avec nos léopards. Nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Qatar 2022, jamais sans la République démocratique du Congo. Les Congolais sont mobilisés et surtout très déterminés pour voir la République démocratique du Congo, notre chère patrie, se qualifier pour la deuxième fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Et cette fois-ci, ça va bien sûr se jouer au Qatar en 2022. Niskens Kebano, Chancel Mbemba et ses léopards en forme avant le duel face au Maroc. C'est ce dont nous allons tenter en tout cas d'analyser ici. L'horloge tourne, le temps s'écroule, le rendez-vous avec l'histoire approche. Dans exactement 13 jours, la République démocratique du Congo défiera le Maroc au stade des martyrs de Kinshasa pour le compte de la manche allée des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec quels hommes la RDC va-t-elle affronter les Lions de l'Atlas et se qualifier pour le Mondial? Une question qui vaut son pesant en or, une question encore sans réponse précise, d'autant que la liste officielle du sélectionneur national, le technicien argentin très très expérimenté Hector Hall Cooper, n'est pas encore connue du public. En attendant, nous dressons ici le tableau de quelques léopards en forme et susceptibles d'être le moteur de l'équipe face au Maroc. En première position, nous commençons par Niskens Kebano. C'est sa saison. Niskens Kebano a retrouvé ses jambes et le rôle lui promis à son arrivée à Fulham, c'était en 2016. Totalement libéré des blessures qui entravaient sa carrière, le milieu de terrain congolais marche sur l'eau dans une équipe de Fulham qui se balade en championship et qui, vraisemblablement, va rejoindre la première ligue la saison prochaine. Niskens Kebano, c'est quand même déjà 9 buts inscrits et 7 passes décisives cette saison. Il a donc participé à 16 buts de son équipe cette saison, son gros total depuis qu'il est en Angleterre. La confiance du coach et du public gagnée, Kebano enchaîne des prestations de haute facture. À quelques jours du match contre le Maroc, il apparaît sans nul doute comme le léopard offensif le plus en forme. Et lorsque Niskens Kebano est en forme, il est capable de tout sur le terrain, capable de donner une passe décisive venue de nulle part, capable de vous sortir une très belle frappe de l'extérieur du grand rectangle et ainsi inscrire un but pour les léopards de la République démocratique du Congo. Tant mieux pour nous qui rêvons en tout cas de cette deuxième qualification, une phase finale de Coupe du Monde. Une histoire en tout cas que beaucoup de Congolais veulent vivre, puisque en 74, beaucoup, je dirais même peut-être la majorité des Congolais n'étaient pas nés en tout cas, parce que c'est vrai, notre République est
constitué plus de jeunes. 74, ça fait 48 ans et je suis certain qu'en tout cas, il y a beaucoup de Congolais qui ont moins de 48 ans qui seraient certainement la majorité dans ce pays. Un deuxième léopard en forme cette saison, c'est bien celui qu'on appelle le demi-dieu, Chancel Mbemba Mangoulou. Très peu de mots pour le décrire. Hein. Chancel Mbemba a gagné sa place à Porto la saison dernière et s'est inscrit dans une régularité intégrale. Je me demande même s'il y a un Congolais plus régulier que Chancel Mbemba cette saison. Il demeure l'un des joueurs les plus utilisés à Porto et l'un des atouts majeurs hein, pour son équipe. L'un en tout cas des meilleurs défenseurs du championnat à portugais et un peu en général on dirait même l'un des meilleurs défenseurs en Europe. Rien qu'à le voir jouer, c'est le caractère, l'expérience et le talent qui s'expriment. Le mercredi dernier, il était sur le point de sauver son équipe d'une défaite à domicile devant Lyon. Dommage que son but à la dernière seconde du match ait été annulé par la VAR. Porto a perdu ce match de huitième de finale aller de la Ligue Europa sur le score d'un but à zéro. Mais sera-t-il utilisé à son poste habituel où il brille au Portugal et en compétition européenne interclub? Seul Hector Holcooper, le technicien argentin très très expérimenté, pourra nous répondre. C'est une question hein, à laquelle se posent beaucoup de Congolais. De mon point de vue, j'aimerais que Chancel Mbemba occupe la charnière centrale de nos léopards, puisque de tous les Congolais défenseurs, hein, en tout cas de la charnière centrale, il n'y en a pas un qui soit le plus en forme que Chancel Mbemba. Alors pourquoi le mettre comme milieu défensif alors que nous avons des milieux défensifs type tels que Edo Kayembe ou encore Samuel Moutoussami? Donc j'espère hein, qu'Hector Holcooper ne va pas encore changer de poste à l'international congolais Chancel Mbemba. Alors un autre Congolais en forme, c'est bien l'avant-centre de Kazimpasa, Jackson Muleka. Ses traquenards hein, avec le Standard de Liège sont désormais derrière lui. Jackson Muleka s'éclate en Turquie avec Kazimpasa, club qu'il a rejoint lors du dernier mercato d'hiver hein, en prêt en provenance du Standard de Liège et où il a déjà inscrit 4 but et donné 2 passes décisives en 4 matchs, s'il vous plaît. Il fut un grand espoir de la sélection, mais son arrivée en Belgique, couplée aux nombreuses blessures dont il a été victime, sa carrière internationale a connu à cause de cela un ralentissement. Et si le prêt en Turquie était un déclic pour l'ancien buteur du Tout-Puissant en Mazembe, qui devrait probablement figurer sur la liste d'Hector Holcooper pour la double confrontation face au Lion de l'Atlas du Maroc. Et surtout que Ben Malango, depuis son retour de blessure, hein, n'est pas très en forme. Il n'est pas encore revenu au top de son niveau. Alors un autre Congolais en super forme et le néo-léopard, c'est bien Théo Bongonda. Théo Bongonda est le dernier des léopards éligibles pour ce rendez-vous décisif, mais loin d'être le moindre. Il se peut même que l'attaquant du Racing Club de Genk soit parmi ceux qui vont porter la charge de bousculer la défense marocaine. Bongonda allie technique, hein, élégance et vélocité, sans parler de sa vision de jeu et son énergie à défendre. Il peut être l'élément qui manquait aux léopards sur les ailes depuis les déboires hein, de Elia Meshak avec le tout-puissant Mazembe qui a eu une influence sur sa convocation en équipe nationale. Alors le néo-léopard est en super forme hein, avec déjà 11 buts inscrits cette saison et 4 passes décisives. Il sera certainement de la partie. La question qu'on se pose, sera-t-il titulaire hein, au regard de sa prestation lors du match amical contre Bahreïn? Cela ne m'étonnerait pas. Il y a un autre Congolais en forme, c'est bien Brit Assombalonga. Avec ses 12 buts inscrits cette saison en Super League sous les couleurs d'Adana Dermispor, l'ancien joueur de Middlesbrough mérite bien d'apparaître sur cette liste, tout comme son compatriote Kabongo Kasongo, auteur de 11 buts avec Boluspor en deuxième division turque. Si, bien évidemment, on s'en tient aux statistiques, les deux mériteraient en tout cas de se retrouver sur la liste, la shortlist hein, d'Hector Holcooper. En revanche, les chances pour eux d'être sélectionnés sont quand même très minces au regard de, du fait que les compartiments hein, où ils excellent est en pléthore. En tout cas,
cas, hein, avec des avant-centres expérimentés aussi et qui sont tout aussi en forme, tels que Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, Jackson Muleka, Ben Maalango. Ce ne sera pas vraiment facile du tout dans ce compartiment où la République démocratique du Congo ne manque rien du tout. Mais aussi, hein, c'est vrai, face au conservatisme du technicien argentin très très expérimenté Hector Cooper, qui ne va sans doute pas trop chambouler son effectif, avec raison hein, d'ailleurs. Alors il y a aussi Jonathan Bolingui, c'est le même problème, hein, tout comme les deux précédents en cité, Brit Asombalonga ou Kabongo Kasongo. Jonathan Bolingui brille de mille éclats, loin de l'Europe et loin de son Congo natal, dans un pays où le foot n'a pas la même valeur et le même niveau qu'ailleurs. En Thaïlande, Bolingui est un petit dieu, 10 buts déjà inscrits hein, depuis son arrivée au mois de décembre dernier. Il porte Buriram United et mérite lui aussi de figurer sur cette liste, bien que moins sélectionnable. Donc c'est difficile pour lui. Alors parmi les joueurs très en forme, il y a le latéral droit qui a mis tout le monde d'accord hein, qui a mis Hector Hall Cooper dans sa poche. Dieu merci, Moukoko Amale, celui que les supporters congolais appellent Soso, s'épanouit pleinement hein, du côté de Difa Hassani El Jadida au Maroc. Il joue quasiment tous les matchs de son club hein, et ne souffre pas de concurrence en équipe nationale, tant ses performances sous Hector Cooper sont peu réprochables. Les creux est irréfutable hein, entre Moukoko Amale et les autres latéraux de la team 243 comme Djuma Achabani ou encore Jordan Ikoko. Un autre point qui plaide en faveur de Moukoko Amale, c'est le fait qu'il joue au Maroc. Hein. Il connaît probablement le football marocain, la philosophie des joueurs marocains. Il serait très utile pour ce match pour le technicien argentin très très expérimenté. D'un latéral à un autre, cette fois-ci de l'autre côté, latéral gauche, Vital Ntimba. Son cas est presque un petit mystère, hein, congolais, et a donné son aval pour représenter son pays. Le latéral gauche clermontois n'a jamais fait des matchs officiels avec les Léopards, pourtant convoqué pour la première fois en 2016 par Florent Ibenge, et depuis, son histoire s'est éteinte comme une forêt qui pousse, et si c'était le moment pour lui de retrouver la tanière, d'autant qu'il fait une saison correcte avec Clermont Foot en Ligue 1 française. De surcroît, Ntakala ne joue plus du côté de Beşiktaş, Arthur Masuaku revient de blessure et de toute façon il est suspendu pour le match du 25 mars pour cumul de cartons jaunes. Luzolo Sita poursuit son adaptation au tout-puissant Mazembe et il serait peu probable hein, de le retrouver dans la shortlist de Hector Hall Cooper. Alors un autre joueur en forme et d'expérience hein, qui plus est, il s'agit bien de Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps, titulaire depuis plusieurs journées maintenant du côté du Kuwait SC, le meilleur buteur des Léopards de tous les temps et meilleur buteur des Léopards dans la phase des groupes, est en super forme aussi hein, et devrait être non seulement présent dans la liste d'Hector Hall Cooper, mais sera très très vraisemblablement titulaire lors de ces deux matchs à attendre contre le Maroc. Son expérience nous sera sans doute utile sur le terrain dans la gestion de ce match qui s'annonce compliqué. Mbokani peut tenter non seulement de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022, mais il peut aussi tenter d'arracher la place de meilleur buteur de ces éliminatoires, même s'il est à 3 buts hein, du meilleur buteur actuel qui est l'Algérien Slimani. Un autre Congolais qui sera certainement de la liste, qui dont la forme est mi-fig, mi-raisin, c'est Cédric Bakambu. Entre Cédric Bakambu qui alterne le bon et le moins bon à Marseille, forme mi-fig, mi-raisin, mais il sera quand même de la partie car Cooper voudra s'appuyer sur son expérience qui pourra toujours nous aider. Et depuis hein, le début de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, son duo avec Dieu merci Mbokani a prouvé que c'était un duo dévastateur. Hein. Et même s'il n'a pas été buteur, il avait donné deux passes décisives à Dieu merci Mbokani pour ses deux premiers buts. N'oublions pas qu'il a quand même hein, déjà planté, il a quand même déjà aussi planté deux buts hein, pour l'Olympique de Marseille depuis son arrivée lors du mercato hivernal dernier. Alors, un autre joueur expérimenté, c'est Gaël Kakuta qui devrait être la pièce maîtresse de notre équipe nationale, mais il souffre malheureusement de régularité avec le Racing Club de Lens cette saison. Espérons qu'il soit épargné d'une blessure hein, avant cette date
fatidique. Samuel Moutoussami, devenu titulaire à Nantes, mais un peu ralenti à cause d'une blessure heureusement superficielle, est déjà revenu sur les pelouses et sera certainement dans la liste finale d'Hector Hall Cooper qui l'a beaucoup utilisé lors de la phase des groupes de ces éliminatoires. En dehors de lui, on peut citer Benik Afobe en championship, tout comme Niskens Kebano. Il est aussi très en forme de ce côté-là, hein, et du côté de Millwall, son équipe. Mais la concurrence dans son compartiment est telle qu'il lui sera difficile de figurer dans la shortlist d'Hector Hall Cooper pour cette double confrontation contre le Maroc. Mais rien n'est impossible. Wait and see, disent les anglophones. Shadrack Muzungu, Edo Okayembe, Pelu Rudok Mpanzu, Yohan Wissa sont tout aussi en bonne forme et postulent tous pour une place sur la liste d'Hector Hall Cooper. Seul l'entraîneur pourra juger de quel joueur il aura besoin pour le joueur qui conviendra le mieux à sa philosophie de jeu. Christian Luindama qui s'est envolé pour l'Arabie Saoudite, ou encore Nathan Idumba Fasika qui semble incliner ses performances avec Cape Town United. Il faut dire qu'il est délicat de porter jugement sur leur état de forme, sachant qu'ils sont plus sélectionnables pour que certains joueurs aient pris sur notre liste un peu plus haut. Et surtout que le compartiment concerné est aussi problématique. Nathan Idumba Fasika pourrait toujours suppléer à des joueurs moins en forme dans ce compartiment-là. Donc voilà, Hector Hall Cooper qui a quand même des solutions, et on pourrait avoir des joueurs qui pourraient tout changer dans l'effectif d'Hector Hall Cooper, même si on le sait que cet entraîneur argentin plutôt conservateur. Mais nous voyons au moins trois joueurs qui pourraient bousculer la hiérarchie dans cet effectif des Léopards. Hector Cooper, c'est vrai, est l'un des entraîneurs conservateurs et pragmatiques, fidèle à son fameux 4-4-2 depuis sa période de gloire chez les pharaons d'Égypte. Le sélectionneur congolais, le technicien argentin très très expérimenté, est attendu au tournant par des milliers des Congolais, je dirais même des millions de Congolais, contre le Maroc dans absolument deux semaines maintenant. Quelle recette pour déjouer ces lions de la classe blessés par une élimination précoce à la CAN 2021. Rappelez-vous, le Maroc avait été éliminé par l'Égypte de Mohamed Salah. La traditionnelle logique du meilleur moment pourrait changer l'approche coupériste de la sélection. Lui qui était souvent attaché à ses bris car même 100 ans de jeu en club, Hector Cooper pourrait cette fois recourir à quelques nouvelles figures, entre autres Vital Ntimba, auteur d'un gros début de saison avec Clermont Foot en Ligue 1 française, Yohan Wissa, très en vue en Angleterre depuis sa signature chez le promu de Brentford, ainsi que Théo Bongonda, dont le nom et la réputation ne sont plus à rappeler en Jupiler Pro League, championnat de première division belge. Les trois nouveaux seront, sauf toute surprise ultime, sur la liste des Léopards convoqués. Trois qui pourraient non seulement suppléer aux absences ou aux baisses de régime de certains cadres, mais aussi et surtout donner plus de solutions à Hector Hall Cooper. Des premières en officiel avec les Léopards pour le signe du grand défi. S'il y a bien un poste où les Léopards accusent une sérieuse lacune, c'est bel et bien le poste de latéral gauche. Ce n'est ni Fabrice Nsakala, sans tant de jeu depuis sa mise à l'écart à Besiktas, ni Glody Ngonda en baisse de forme depuis qu'il a quitté la Ligue 1, et moins encore Arthur Massouakou revenant d'une blessure et surtout suspendu pour la première manche, qui pourrait garantir la sécurité dans ce secteur de jeu capital au vu de la puissance des latéraux marocains. Je fais très clairement allusion au latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Du coup, la solution plus probante, sans en tout cas fausse modestie, se nomme Vital Ntimba. On a eu déjà à en parler ici, nous y revenons, parce que très clairement, dans ce compartiment, les Congolais ne sont pas du tout rassurés. Mais encore faut-il se demander si, pour une première sous les ordres de Cooper, celui
celui qui a raté toutes ses intégrations à l'équipe nationale sous Jean-Florent Ibenge Ekwangé pourrait bien tenir le coup dans un match aussi palpitant, quel que soit son haut talent. Bien sûr, hein, c'est vrai, il faudrait aussi régler sa situation de passeport de service. À l'autre découverte en match officiel de la RDC pourrait bien être l'ailier Théo Bongonda, passé récemment à Kinshasa pour récupérer son passeport de service. L'ailier du Racing Club de Genk s'est dit prêt à donner la qualification à la République démocratique du Congo, du moins mouiller le maillot pour arracher cette qualification déjà dans les cœurs des Congolais après son entrée plus que convaincante en amical face à Bahreïn lors du dernier stage des Fauves. L'ancien attaquant de Celta Vigo en Espagne est perçu comme l'un des maillons forts ayant manqué à la créativité de la Team 243. Gaël Kakuta n'en est pas du reste malgré ses intermittences de forme dues très certainement à ses nombreuses blessures à répétition. Théo Bongonda, capable de jouer sur les côtés ou dans l'axe derrière les attaquants, l'homme âgé de 26 ans pourrait offrir des nouvelles solutions au technicien argentin très très expérimenté Hector Holcooper. Le troisième larron se nomme Johan Wissa. Toujours proche de la sélection, le joueur de Brentford met pourtant un peu plus de temps avant de rejoindre la tanière pour ces matchs, qui sont très capitales contre le Maroc. Son identité restera le but inscrit en match amical face au même adversaire sous l'ère Christian Tengibiembe. Encore au FC Lorient, à l'époque bien évidemment, seul en pointe d'une belle frappe du gauche hein, de l'extérieur de la surface, le joueur âgé de 25 ans répondait à l'ouverture du score de Mazraoui et permettait à la République démocratique du Congo de revenir au score à la 60e minute dans un match soldé sur un score de parité 1-1. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Cooper a sa vision de jeu, il a ses convictions et c'est peut-être pas le simple talent d'un joueur qui peut l'en dissuader. Johan Wissa, Théo Bongonda ou encore Vital Timba brouilleront-ils pour autant les cartes du sélectionneur congolais? Wait and see, hein, comme disent les anglophones, hein, surtout sachant que ce dernier est resté sur quasiment les mêmes hommes lors de la phase des groupes. Dans des matchs aussi décisifs que ceux du Maroc, Cooper pourrait-il prendre le risque de modifier son dispositif tactique qui en a fait un candidat sérieux à une qualification mondiale? Tant de questions qui n'auront des réponses que le 25 mars et 29 prochain, date de la manche aller et de la manche retour de ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà notre réflexion par rapport à ces quelques léopards en forme. Hein. Partagez avec nous en tout cas votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, likez-le, hein. En tout cas laissez-nous un maximum de j'aime, merci de vous abonner à cette chaîne aussi si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes jamais abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Bon, merci, monsieur le président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar, qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour des nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup, mais... Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC.